C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien, elle met de la joie sur son chemin. Oh petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air tu vas partout dans le ciel. Oh joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air tu t'envoles vers le soleil. D'accord, alors on va faire deux équipes. Max do, et... Do, 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 do. Ré, 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 ré. Hé, hey, qu'est-ce qui te prend et pourquoi tu cries comme ça? Mais enfin, je ne crie pas, tu connais rien ou quoi? Je fais mes gammes. C'est comme ça qu'on apprend à chanter. D'accord, mais tu pourrais peut-être faire tes gammes un petit peu moins fort. On n'entend même pas ce que dit Maya. La, 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 la. Rien qu'une bande de jaloux. Parce que moi j'ai un talent alors que vous, vous n'en avez même pas. Mais tu dis n'importe quoi. Tout le monde a un talent. Pas vrai les amis? Bah oui, bien sûr. Oui. Je serais curieuse de voir ça. Ah, vraiment? Alors j'ai une idée. On va organiser une fête et chacun de nous montrera ce qu'il sait faire. Je suis sûre que tu seras très étonnée, Lara. Ah oui, on va pas mettre plein la vie. Je vous montrerai de quoi je suis capable. Oh, <allez. rire> Beau travail. C'est vraiment le portrait craché de Stinger. Ah, très réussi. Ah ouais, je suis plutôt doué, hein. Oh. Oh, attention, le voilà. Très fort. Tu ferais mieux de planquer ça avant que Stinger le voie. Il est où, Dose? Il était censé travailler sur les alvéoles. Oh, ça m'énerve, hein. Mais bien sûr, Maya, vous avez tous du talent. Et vous pouvez compter sur moi pour cette fête. Je pourrais jouer du violon pour mettre de l'ambiance, non? Formidable! Merci, Flip. Et regarde ce que j'ai trouvé pour la fête. Tada! On va se régaler. Hein? Hein? Hé, y a quelqu'un? Maya, on dirait Stinger, le chef des guêpes. Waouh! Je me demande qui est l'artiste qui a fabriqué ça. C'est vraiment très ressemblant. C'est du papier mâché. C'est avec ça que les guêpes font leur nid. Regarde, Flip, c'est Dose. C'est sûrement lui l'artiste. J'avais raison de dire à Lara que tout le monde a un talent. Et moi qui croyais que le seul talent des guêpes, c'était de passer leur temps à nous embêter. Bon, je dois filer. On se voit tout à l'heure pour la fête. Allez, hop! 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 Willy? Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Willy? Est-ce que tu t'entraînes à bien bouder? Oh! Ah non, mais je t'assure, 10 ans! Eh, c'est trop bête que t'aies pas vu cette mûre. Elle était au moins grosse comme ça. Et si on y va tous les deux, ben, on va pouvoir la voler tranquille. Stinger, il va être super fier de... Oui, c'est génial. Mais et si on disait rien au patron pour une fois? Et comme ça, ça en fera plus pour nous deux. Plus pour nous deux? Mais oh ben ouais. Tu vois, à part manger et dormir, je sais rien faire du tout. Mais bien sûr que si, c'est juste qu'il faut t'entraîner. Allez, Willy, on va faire un peu de voltige. Youhou! Allez, vas-y. Hé, t'as vu ça? Bravo, Willy! Continue comme ça! Wouh!
attention, Willy. Tiens, Willy, pour reprendre des forces. Bien joué, Willy. Ça y est, tu viens de découvrir ton talent. Bon, Maya, c'est toi qui as eu l'idée, alors tu commences. Oui, allez, vas-y, Maya. C'est quoi ton numéro? Eh bien, comme je connais la prairie sur le bout des antennes, je vous ai préparé un superbe festin. Je vous ai ramené les trucs les meilleurs à manger de toute la prairie. Quand le spectacle sera fini. Tu as rassemblé de la nourriture, pas besoin de talent pour faire ça, Maya. On verra bien, Lara. Approchez, approchez et admirez le fantastique numéro d'équilibriste de Ben le Magnifique sur sa boule de boost préférée. Vous appelez ça du talent? Hé, Willy, c'est même pas encore l'heure du déjeuner. Ta-da! Willy mange comme d'habitude, je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Oh, mais je crois qu'en fait, tu es jalouse, Lara. Moi? N'importe quoi. Shelby. Maintenant, Shelby, l'escargot cascadeur. Et un, et deux, et trois. Oh là là. Atterrissage à l'entraînement. Alors, t'as vu ça? Pas mal, non, pour un escargot? Il s'est pas vraiment cassé la coquille. Tu vois ce que je vois? Oh, wow. Et maintenant, vous allez voir le plus élastique de tous les vers de terre. Regardez ça! Oh là 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 là! Wow. Mais comment il arrive à faire ça? C'est un ver crâne debout. Bien joué, Max. Merci, Paris. Et maintenant, gardez les yeux grands ouverts pour un numéro de prestidigitat. Enfin, un tour de magie. Ah, enfin, c'est à moi! Le véritable numéro que vous attendez tous! Il était une fois une très jolie petite coccinelle qui était tellement jolie que tous ses amis de la prairie étaient jaloux d'elle. Coccinelle, comme tu es jolie! Et tu es la plus belle de la prairie! Laissez-nous ce butin et on vous promet qu'il n'y aura pas de casse. Oh non! Pas question de vous laisser gâcher notre fête! Willy,
Les grains de pollen. Vise-les. Prêt, Shelby. Allez, venez tout le monde. Allez, espèce de sale voleur, rendez-nous notre mur tout de suite. Oh, Coccinelle, comme tu es jolie. On a tous du talent, pas vrai? Même d'autres. C'est quoi ça? Bonjour les amis. Vous avez aussi senti? Qu'est-ce que c'était? Je suis sûre que c'était un monstre horrible. Ça m'a fait rouler contre un arbre. Eh, ma coquille n'est pas fêlée au moins. Moi, je pense que c'était plutôt un tremblement de terre. J'ai cru que mon tunnel allait s'écrouler. Mais non, c'était pas ça du tout, vous avez rien vu. C'est un troupeau de vaches qui vient de traverser la prairie. C'est quoi, une vache? Ouais, c'est pas ce que c'est. C'est un mami, c'est un amani. Un ami, enfin ça fait le... Ça fait... Waouh, merci Barry, faut que je raconte ça à Willy. Maya, attends-nous. J'ai pas envie d'être tout seul ici si elles reviennent, ces grosses bêtes. Ah, oh, oh, ça pue! Oh, oh là 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 là, mais c'est une horreur! Oh, ça m'en fait vraiment! Oh, c'est une vache qui a fait ça? Elles sont bien plus énormes que je pensais! Oh, ça va être un cauchemar d'entrer et sortir récolter du nectar avec cette épouvantable odeur! Tu as entendu les vaches passer, Willy? Non, j'ai rien entendu du tout, Maya, je dormais! Mais là, c'est sûr, je le sens bien qu'elles sont passées. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette chose doit absolument disparaître immédiatement. J'ai convié la reine de la ruche des roses trémières pour l'heure de la gelée cet après-midi, pour discuter du partage des fleurs de la prairie. Nous devons faire bonne impression. L'entrée de la ruche doit être impeccable. C'est dommage pour une fois qu'il se passe quelque chose de rigolo devant la ruche. Oh, excusez-moi, votre majesté. Pensez-vous que je devrais aller chercher Kurt? Oui, Maya, vas-y, c'est une très bonne idée. Oh, hey, les copains, vous avez vu toutes ces bousses de vaches tomber du ciel? Ça, c'est vraiment un coup de peau. Pas vrai, oncle Kurt? Et comment, Ben? Mais ça veut dire que nous avons beaucoup de travail maintenant. Du travail? Bah, c'est pas un coup de peau, alors. Est-ce que vous pourriez d'abord vous occuper d'une bousse de vache devant la ruche? La reine reçoit une invitée très importante aujourd'hui pour l'heure de la gelée. Oh, eh bien, je suis sincèrement désolé pour la reine, mais là, je suis déjà débordé. Je peux le faire, oncle Kurt. Ce serait ma toute première bousse de vache à moi tout seul.
Eh bien, tu es un peu trop jeune pour te charger de toute une bouse de vache, tu ne crois pas? Oui, mais je suis super costaud. Bon, d'accord, tu peux y aller. Youpi! Oui! C'est la plus grosse méga bouse de vache que j'ai vue de toute ma vie. Oui! Je dois bien reconnaître qu'elle est bien plus grosse que toutes les bouses que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et elle sent encore meilleure. Alors, tu crois que tu vas pouvoir t'en occuper? Tu rigoles, Maya? Ça va être carrément génial. Phew. En entrée, la première boule, un coulis de bouse de vache fraîche, crotte de lapin et romarin. Pour continuer, je ferai une boule de bouse de vache avec un peu de mousse des bois et du basilic, peut-être. Ça vous dit, hein? Vas-y, fais comme tu le sens, mais surtout dépêche-toi. Ça pue, là. C'est un mélange de bouse de vache, de crotte de lapin et... des crottes de mouche. Devinez. C'est trop difficile, Ben. Du pissenlit. Non! Raté, c'est du trèfle à quatre feuilles. C'est une boule porte-bonheur. Allez-y, touchez-la. Fais-moi confiance. C'est une véritable merveille. Il y en a assez pour faire un incroyable pique-nique. Oui. Ben, ces boules sont très très jolies. Mais la reine reçoit sa sœur pour régler une affaire très très importante cet après-midi. Alors là, je crois qu'il va falloir se dépêcher un peu. Maya, non, non, attends! Tu peux pas faire n'importe quoi! Faire des boules, c'est tout un art, tu sais. Et puis en plus, t'es pas assez costaude. C'est moi le bousier ici. Alors c'est moi l'expert et c'est moi qui vais finir le boulot. Youpi! J'adore l'odeur de la mousse de vache au petit matin. Et vous là-bas? Attention, fichez pas le bazar. Vous voyez pas que je fabrique une boule de bouse? Cette bouse elle est pas à toi, alors on reste là nous. Mais ce tas de bouse n'a pas du tout diminué. Où est passé Kurt? Non, allez pas chercher oncle Kurt. C'est mon travail, Maya. Nous devons prévenir la reine. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Cassandre. On va cacher le reste de la bouse sous des pétales de fleurs. Et Ben pourra finir ses boules demain. Je suis sûre que la reine des Rostrémières sera très impressionnée. Bon, d'accord. Écoutez bien mon plan. On va dérouler le tapis rouge pour accueillir la reine des Rostrémières. Waouh! Un tapis rouge! Ça, c'est la super classe, hein! Maya, est-ce que tu crois que ça va vraiment empêcher cette bouse de puer? Si on la recouvre avec des fleurs qui sentent très bon, oui! Allez, viens, Willy! On y va! Oh! C'est joli, hein! Stop! On pose pas n'importe quel pétale sur cette œuvre d'art. Vous avez fait un super boulot, mes amis. Et quel boulot, bravo! Ça ne ressemble pas vraiment à un tapis rouge. En fait, il y a un petit peu trop de couleurs. Oui, mais ça sent très bon. On ne peut pas laisser cette chose ici, devant notre ruche. Il y a même des mouches qui en profitent pour faire un pique-nique. Nous devons absolument faire venir Kurt en urgence. La reine des Rostrémières va arriver d'un instant à l'autre. C'est une catastrophe. Si vous faites ça, mon oncle va dire que je suis une honte pour tous les bousiers. On ne peut pas faire ça à Ben. Désolée, mais alors il faut trouver une autre solution. L'entrée de notre ruche doit être impeccable. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt à nous aider? Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Alors on va avoir besoin de tout le monde.
voilà. Hein? Oh, est-ce que tout va bien, Maya? Où vas-tu comme ça? Tu as l'air très très pressée. Oh, votre majesté, j'avais un message très urgent pour notre reine, mais j'ai perdu l'équilibre à cause d'un gros coup de vent. Oh, et je crois que je me suis fait mal. Vous voudriez bien m'accompagner jusqu'à la ruche? Oh, mais bien sûr, Maya. Justement, nous étions en route pour rendre visite à ta reine. Ça tombe bien. Je pense que je me suis froissé une aile, Majesté. Comme ça, tout droit. Un petit peu à droite. Non, à gauche. Marche arrière. Marche arrière. Oh non, pas marche arrière. Bon, d'accord, en avant alors. Mais un petit peu à gauche. On dirait que ses ailes vont mieux. Bienvenue, ma chère sœur. Bienvenue. Ça alors, qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose qui roule? C'est une boule porte-bonheur, parfumée aux pétales de fleurs et fabriquée spécialement pour décorer notre ruche. Chut. Tu penses que je pourrais en avoir une aussi? Oh, je pourrais la mettre à l'entrée de ma ruche. Eh bien, en fait, c'est un exemplaire unique que Maya a imaginé exclusivement pour nous. Alors... Waouh! Quelle belle boule de bouse! Bien joué, Ben. Je te félicite, tu as fabriqué une boule complètement hallucinante. Waouh, oh cool, merci oncle Kurt. Mais bon, enfin, c'est surtout grâce à vous et grâce à toi. Merci beaucoup, Maya. Tu es un petit bousier super doué. Le jour où vous êtes nés tous les deux, hein? Je me souviens comme c'était hier. C'était à peu près à cette époque de l'année. Les liserons avaient ouvert leurs boutons pour la première fois de la saison. J'ai vu des liserons dans la prairie. Ils sont sur le point de s'ouvrir dans quelques jours. Willy, nous allons pouvoir fêter notre année... Annie Vabeille très bientôt. Notre Annie Vabeille? Oui, allez, viens. Ouvre-toi. Regarde, Willy. Dès que le liseron s'ouvrira, nous pourrons fêter notre année babeille. Alors réveille-moi quand ce sera le moment. Oh, allez vite, allez vite. Ouvre-toi. Bonne nuit, Maya. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit, Willy. Fais de beaux rêves. Willy, lève-toi. J'ai besoin de ton aide à la pouponnière. Désolé. Oh, les liserons. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne déranger les bébés à la pouponnière. C'est compris? Oui, mademoiselle Cassandre. Je vais trouver une autre sortie. Qu'est-ce que c'est que ça? Halte là! Cette porte est réservée à la reine. Aucune autre abeille n'est autorisée à l'utiliser. Oh, je suis désolée, monsieur Sire d'Abeille, je le savais pas.
Appelle-moi juge cire d'abeille. Je viens d'instaurer cette règle pour renforcer la sécurité. C'est une sortie de secours exclusivement réservée à la reine. Mais dites-moi, mon cher cire d'abeille, que fait-on si un intrus pénètre par cette porte et monte l'escalier qui mène à la salle du trône? Ne devrions-nous pas poster des gardes ici? Eh bien, c'est toute l'intelligence de ma conception, Majesté. La porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Va dehors et essaie d'ouvrir cette porte. Vous voyez? Pas de Willy. Très bien, mon garçon. Tu peux revenir. Mais, Willy! Ça y est, c'est notre anime abeille. Attendez-moi. Pour nous, les escargots, la pluie, c'est la fête aussi. Attendez, j'ai une idée. Allons faire la fête dans la ruche. La ruche? Pourquoi pas? Il y fait sec et chaud. Il y a plein de pollen et de miel. Et en plus, c'est dans la ruche que Willy et moi, nous sommes venus au monde. Je crois pas que ce soit une bonne idée, Maya. Seules les abeilles sont autorisées à rentrer dans la ruche. C'est la règle. Mais comme vous êtes tous mes amis, on n'a qu'à organiser une fête secrète. Une fête secrète? Mais comment on va rentrer sans être vu par les gardes? Il n'y a pas de garde devant la nouvelle porte. Mais c'est dommage, elle est seulement réservée à la reine. Il y a une nouvelle porte où il n'y a pas de garde? On va voir la salle du trône. Oui, mais chut! Il ne faut pas déranger la reine pendant qu'elle se repose. Chut! Oh, c'est beau. Hey, Maya, elle est où la reine? Pourquoi tu ne laisserais pas ta boule quelque part, Ben? J'espère que tu plaisantes, Maya. C'est l'occasion ou jamais pour ma boule chérie de voir une reine de près. Oh non! Oh non! Non! Je suis vraiment désolée, votre majesté. Veuillez pardonner ma boule, elle avait tellement hâte de vous rencontrer. On ne fait que passer. Rendormez-vous tranquillement, votre majesté. Cette porte de secours, Mademoiselle Cassandre, est l'une des meilleures idées depuis des années. Oh! Oh! Quelle terrible odeur! Oh, désolé, juge cire d'abeille. J'ai mangé quelque chose de bizarre, je crois. Ah, te voilà! C'est sans doute à cause du mauvais temps. Il digère mal le pollen humide, vous savez. Mais une abeille digne de ce nom n'aurait jamais mangé de pollen humide. Je vois pas de quelle odeur il parle. Il n'y a pas d'odeur. Bravo, Willy. Oh ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ici, c'est une pouponnière, Maya. Oui, je le sais. Mais il y a trop de monde dans toutes les autres pièces. On ne fera pas trop de bruit, c'est tout. Pourquoi? Il y a personne ici. Tu vois ces feuilles? Eh bien, juste derrière, il y a des bébés abeilles qui dorment. Alors, chut, d'accord? Willy et moi, on va revenir tout de suite. On va juste chercher de quoi faire la fête. On pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui compte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je t'ai trouvé. Oh non, comment t'as fait pour me retrouver si vite? C'est toi qui compte. 1, 2, 3, je t'ai vu, Max. Oh, t'as triché. Tu n'as même pas compté. C'est que ça encore. Oh, je connais cette odeur. Qu'est-ce qui se passe ici, pour l'amour du miel? Je ne veux pas de bougies, ni d'escargots, ni de vers de terre dans la ruche. Ne leur en voulez pas, monsieur le juge cire d'abeilles. C'est moi qui les ai invités, ce sont mes amis. Mais Maya, pourquoi ici? Parce que c'est mon anime abeille. Et qu'à cause de l'orage, on ne pouvait pas faire la fête dans la prairie. Mais la ruche, et en particulier la pouponnière, n'est pas un endroit pour faire la fête. Cela ne restera pas impuni. Et je parle pour vous tous. Que quelqu'un ouvre cette porte! Je suis enfermée dehors! Votre Majesté, mais que s'est-il passé? Mon cher sire d'abeille, cette porte me fait faire des cauchemars. J'étais enfermée dehors et je suis restée sous l'orage. Et j'ai même rêvé que plein de petites bêtes étaient entrées. Mais elles sont entrées, Majesté. Ce sont elles qui ont ouvert la porte et elles ont même envahi la pouponnière. Quoi? Regardez ça. Que se passe-t-il ici? Mais enfin, mademoiselle Cassandre, que font tous ces insectes dans notre ruche? Eh bien, votre majesté... Je suis vraiment désolée, tout est ma faute. Je voulais seulement faire la fête avec mes amis, c'est tout. Tu n'es qu'une abeille irresponsable, sans cervelle, qui ne pense qu'à s'amuser. Et la sécurité de la ruche n'est garantie que si toutes les abeilles respectent les règles. Tu ne les as pas respectées et tu as mis cette ruche en danger. Bien sûr, les règles sont très importantes pour la ruche. Et je préférerais que la fête se poursuive dans la prairie, quand l'orage sera passé. Mais puisque vous êtes si disposé à parler de la sécurité, ne croyez-vous pas, mon cher sire d'abeille, qu'une reine qui est enfermée à l'extérieur de la ruche, c'est bien plus dangereux pour tout le monde qu'une fête dans la pouponnière? Oh, qu'elle est mignonne! Ah, elle m'a mordu! Oh, quelle petite ingrate! On a fait une fête d'Annie Babeille trop super! Génial! Le juge cire d'abeille va arriver d'une minute à l'autre. Tout doit être parfait. La température de la ruche, le nectar de bienvenue, oh, le pollen d'iris qu'il apprécie tant. Oh, oh, oh non! Mademoiselle Cassandre! Oh! Y a quelqu'un? Oh! Oh, jetons le protocole aux orties. J'y vais moi-même. Ça ne va prendre que 5 minutes. Oh oui, des iris!
s'il y en a ici. Oh, nom d'un pot de miel! Au secours! Il y a quelqu'un! C'est embarrassant! Oh non, je t'interdis de te refermer sur moi, vilaine plante! J'ai dit, va-t'en tout de suite! Comme tu le sais, Ludivine, le juge Cire d'abeille vient nous rendre visite. Alors imaginons que tu sois déjà reine. Ah, super! Je suis reine! Vous aimez ma couronne? Alors, que conviendrait-il de faire avant que le juge Cire d'abeille arrive? Je sais, je me ferai très belle en mettant une couronne avec plein de jolies fleurs. Oh non, je te l'ai déjà expliqué une centaine de fois. Tu dois vérifier que tout est en ordre dans la ruche. Et vous deux, vous avez fini de ranger vos alvéoles? Oui, mademoiselle Cassandre. Parfait. Ne savez-vous pas convenablement ranger une alvéole? Regardez-moi cette pagaille. Oh non, j'entends le juge qui approche. Ludivine, maintenant, il faut que tu t'exerces à répéter la danse de la reine. Allez. Votre Majesté, bien le bonjour. Majesté. Oh, juge Cire d'abeille. Pourriez-vous me dire où se trouve la reine? Ici? Eh bien, elle était ici. Maya, Willy, vous avez vu la reine? Elle était ici il y a une minute. Oh, êtes-vous en train de me dire que la reine a disparu? Oh non, c'est un désastre! C'est un scandale! C'est inacceptable! Nous devons trouver une solution et tout de suite! Il suffit d'attendre un peu. Je suis sûre qu'elle va très vite revenir. Voilà ce que nous allons faire. Remplacer la reine par Ludivine? Oh, mais elle n'est pas prête! Elle est trop jeune, trop immature! Vous saurez la conseiller. C'est une reine en formation, après tout. Et vous connaissez la loi. Pas de ruche sans reine. De toute façon, rien ne va plus dans cette ruche. Il n'y a même pas de pollen d'iris pour m'accueillir comme il se doit. Allez me chercher la nouvelle reine. Mais, mademoiselle Cassandre... Alors, c'est vrai? Moi, c'est moi qui vais être la reine. C'est génial, oh là là, je suis trop contente. Moi, j'avais pas envie d'attendre toute ma vie non plus. Wouh, c'est très génial. Bien, je vais laisser votre nouvelle reine prendre ses fonctions. Je reviendrai plus tard pour voir si tout se passe bien. À présent, je vais prendre congé. Je dois aller faire mon rapport au conseil des reines. Oh, je le crois pas, c'est super génial. Youhou. Je vais m'éclater comme une petite folle ici. Voilà qui va te calmer. Je dois avouer que tu es une plante particulièrement collante. On a cherché partout dans la ruche, mademoiselle Cassandre, mais aucune trace de la reine. Viens vite, Willy, on va la chercher dehors. Willy? Oui, je te nomme premier bourdon de compagnie de la reine. À partir de maintenant, tu es exclusivement à mon service. Dommage, je vais y aller toute seule alors. Je dois retrouver la reine. Willy, ici, maintenant. Bonne chance, Maya. Hop. Regardez-moi! Joli plongeon! Et un, et deux, et trois!
Alors, tu l'as trouvée? Non, je suis désolée, j'ai cherché dans toute la prairie. Je me suis dit qu'elle était peut-être rentrée à la ruche. Maya, cette nouvelle reine est pas si mal après tout. On a joué à plein de jeux et on a passé toute la journée sans faire aucune corvée. Tu te rends compte? Quoi? Personne n'a travaillé dans la ruche pendant toute la journée? Majesté, voilà votre gelée royale. Ah, enfin! Je mourrais de faim. Willy! Je te nomme aussi mon goûteur, donc tu dois goûter une cuillère de gelée. Tiens, avale. Délicieuse. Berk, tu l'as pas bien goûté, Willy. Peut-être que s'ils en goûtaient une cuillère un petit peu plus grosse. Non. Apportez-moi un autre calice, immédiatement. Ludivine, vous ne devriez pas... C'est votre majesté Ludivine, maintenant. Votre majesté Ludivine... Vous ne devriez pas gaspiller la gelée royale comme ça, sinon il n'y en aura plus assez pour nourrir les larves. Oh là là, on va pas en faire toute une histoire. Oh, on n'aura qu'à s'en inquiéter demain, non? Oh, ma pauvre ruche. J'espère quand même que tout va bien malgré mon absence. Majesté! Oh, les réserves de la ruche sont presque épuisées. Vous devriez remettre la ruche au travail. Vous avez raison, il n'y a même pas assez de pollen pour finir la journée. Il va falloir se rationner. Hein? Se rationner? Tu veux dire faire des repas plus petits? Votre Majesté! Votre Majesté! Oh, est-ce que vous voulez bien m'écouter? Oh, quoi encore? Touché! Je suis plus en train de jouer. T'as pas remarqué, peut-être? Votre Majesté, nous avons un problème. Nous n'avons plus assez de nourriture. Votre fête d'hier a épuisé toutes nos réserves. Alors, forcément... Eh bien, il ne reste plus qu'à reconstituer les stocks. Et puis c'est tout. Oui, mais les ouvrières ne travaillent plus du tout. Oh, le travail! Vous ne me parlez que de travail, de travail, de travail! Moi, je veux que mon règne soit celui de la joie, de la fête! Mais... Laissez-moi tranquille, vous n'êtes pas drôle! Et moi, je veux m'amuser. Restez avec Ludivine et essayez de l'empêcher de faire d'autres bêtises. Moi, je vais tenter de remettre un peu d'ordre dans la ruche. Maya, Willy, est-ce que vous savez danser? Moi, j'adore ça. Il me semble que je suis allée partout. Je suis allée au champ de liseron, au champ de pâquerettes... Oh, Maya, arrête de parler de fleurs, s'il te plaît. Mon estomac, arrête pas de gargouiller. Rien que de penser qu'il n'y aura bientôt plus rien à manger dans la ruche. Oh, tout ça à cause de ce juge. Rien ne va plus dans cette ruche. Je n'ai même pas eu mon pollen d'iris, blablabla. Ah, mais oui, bien sûr, le pollen d'iris. S'il n'y en avait pas pour le juge cire d'abeille, c'est que quelqu'un avait dû l'oublier. Et là, la reine a certainement dû aller en chercher. Occupe-toi de Ludivine. Je vais chercher la reine. Votre Majesté! Votre Majesté! Youhou! Votre Majesté! Au secours, je suis ici, venez vite! Oh non! Votre Majesté, est-ce que vous allez bien? Eh bien, on peut dire que j'ai eu des jours meilleurs, mais ça va. Oh, attention, c'est très collant. Accrochez-vous bien, Majesté. Oh, merci, Maya. Dépêchons-nous, on doit vite retourner à la ruche. Il y a une jeune reine qui a pris votre place. Quoi? Oh, votre Majesté, enfin vous voilà, vous êtes revenue saine et sauve. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis de retour à la ruche pour voir comment vous exercez vos nouvelles responsabilités. Et que vois-je? Des ouvrières qui volent dans toutes les directions, des guirlandes festives qui pendent un peu partout. Et pour couronner le tout, on m'a appris que les réserves étaient presque épuisées. Je vous avais dit qu'elles n'étaient pas prêtes. Oh, votre majesté, vous êtes de retour. Juge cire d'abeille, merci de m'avoir remplacé aussi promptement. Justement, j'étais en train d'expliquer à cette jeune apprentie que son éducation de reine laissait fort à désirer. Ce sceptre est à vous.
je ne savais pas que c'était aussi difficile d'être reine. Mais votre majesté, vous pourriez lui apprendre? Mais bien sûr, ma chère. Attendez, majesté, je suis votre royal goûteur maintenant. Vous pouvez la manger. Une gelée au goût de violette pour une reine parfaite. Oh, désolé, Barry, je te promets que je l'ai pas fait exprès. Ouais, je sais que tu l'as pas fait exprès. T'es vraiment pas doué, hein. Oh. Je vais te montrer comment il faut lancer une balle correctement. Oh. Alors. Oula. Aïe. Oh. Oh, mais mes lunettes. Oh, non. Aïe. Oh. Barry, est-ce que tout va bien? Elles sont passées où, mes lunettes? Là. Hein? Willy, tu peux lui rendre ses lunettes? C'est ça? Bah oui. Et tu dis que c'est moi qui s'est pas visé? C'est très amusant. Maintenant, rends-moi mes lunettes. Willy, arrête maintenant. Je lui ai dit que je l'avais pas fait exprès. Mais arrête, rends-moi mes lunettes. Je t'ai eu. Willy, ne sois pas méchant, rends-lui ses lunettes, hein? Mes lunettes. Barry. Je vois rien. Rends-moi mes lunettes. Barry, attends. Allez, viens, Barry, je vais te guider. Merci. Hey, vous, stop. Mais il y a Willy qui a pris mes lunettes. Seules les abeilles ont le droit d'entrer dans la ruche. Viens avec moi, Barry. Ne t'en fais pas, je vais aller les chercher. Attends-moi ici. Willy, tu dois rendre ses lunettes à Barry maintenant. Le pauvre, il ne voit rien sans ses lunettes. Quand la mouche n'y voit plus rien, pour l'abeille, c'est la paix, ça fait du bien. Pousse-toi de là, petit. Willy, s'il te plaît. Oh, il faut que tu essayes ça, c'est vraiment très rigolo. Hey, regarde un peu où tu mets les ailes. Oh, les lunettes. Oh, les bourdons, je vous jure. Là. Oh non. Non. Eh ben les pattes. J'ai vraiment pas le temps de jouer. Je dois terminer ce mur en vitesse et hop là. Hein? Hé, ma propolis! On vous la rapporte dans une minute, c'est promis! Hein? Mais où est-ce qu'il est parti? Aïe! Ah, il est là! Hé, la sauterelle, vous pourriez vous excuser quand même, hein? Nous, les mouches, quand on vous bouscule, on demande pardon! Tu trouves ça très drôle, j'imagine. Tiens, je t'ai rapporté tes lunettes. Ah bah quand même, il était temps, hein. Et où est-ce qu'elles sont? Une seconde. Où est-ce qu'elles sont? Tiens. Vous fabriquez quoi encore? Oups, j'ai l'impression qu'on a un petit problème. Comment ça, petit problème? J'en ai assez de tes blagues, Willy, ça me fait plus rire du tout. Je veux mes lunettes. Bah, elles sont là, là-dedans. C'est quoi? Mes lunettes! Oh, mes pauvres petites lunettes! Oh, je suis vraiment désolée, je t'assure que je l'ai pas fait exprès. Ne t'en fais pas, on va t'aider à les récupérer. Je crois que j'ai une idée. Non, vous en avez assez fait! Tout ça serait jamais arrivé si t'avais pas joué avec mes lunettes! Alors maintenant, vous allez faire comme je dis! On va faire rouler la boule et trouver une flaque pour la dissoudre! Mais il n'a pas plu depuis des jours! On ne va jamais trouver de flaque! Hein? On pourrait essayer de casser la boule avec un marteau? N'importe quoi! Ah, je sais! On pourrait essayer de casser la boule avec un marteau! Mais c'est ce que Maya vient de dire! Bon, en attendant, moi je crois que je vais faire une petite sieste! Tiens, Barry,
J'ai fabriqué un marteau. Donne-le-moi. Fais attention. Peut-être que je devrais essayer. La boule est vraiment trop dure. On ne va pas y arriver. Je savais bien que c'était une mauvaise idée. C'est Paul. Peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Cette boule ne tiendra pas longtemps. Rien ne résiste à notre acide. Mais si votre acide peut dissoudre la boule, il pourrait aussi dissoudre mes lunettes. C'est vrai ça, Paul? Ne vous en faites pas, on sait très bien ce qu'on fait. C'est comme vous voulez, hein, mais vous n'avez pas intérêt à abîmer mes lunettes. Attention, fourmis. 3, 2, 1, fait. Ça sent mauvais. Voilà, voilà, pas l'air d'avoir été fondu du tout. Faut que vous recommenciez, et cette fois, vous allez essayer de tirer un peu plus fort. 3, 2, 1, Monsieur, rien ne peut résister à votre acide. Bah bien sûr, si ça tenait qu'à moi, cette boule, elle aurait déjà fondu depuis longtemps. Dans ce cas, débrouille-toi tout seul. Bataillon. Mais, Paul. Désolé, Maya, j'en ai assez entendu. Je crois que tu l'as mis en colère. C'est pas ma faute s'ils sont aussi maladroits. En tout cas, j'ai une nouvelle idée. Vous avez fini? Vous avez tout installé comme je vous l'avais demandé? Oui, c'est bon, tout est prêt. Il faut que la boule s'écrase contre l'arbre et se brise en 1000 morceaux, voire 2000. Et ensuite, les lunettes, elles vont tomber toutes seules et atterrir doucement sur un tapis de feuilles. C'est malin, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que sa tête va bientôt être trop grosse pour ses lunettes. C'est vraiment Monsieur Je Sais Tout. Bon, allez, c'est parti! Tout le monde en place? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, feu! Barry, est-ce que tout va bien? Eh ben, on dirait que ces lunettes vont t'en faire voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Ah, mon plan a pas marché? Ah, c'est pas possible ça! Vous êtes pas capable de faire une chose correctement! Je ferais mieux de m'en occuper tout seul! Mais comment tu vas faire puisque tu n'as pas tes lunettes? J'ai besoin de personne! Et surtout pas de vous deux! Voilà! Bon, alors si t'as pas besoin de moi, je crois que je vais en profiter pour finir ma sieste. Réveille-moi quand t'auras fini! Mais je m'en moque, oh là là! Oh! J'ai besoin de personne, j'ai dit! Les abeilles, ça sert à rien de toute façon. Je peux très bien le faire moi tout seul! J'ai pas besoin d'eux. Moi, au moins, je suis pas aussi maladroit que... Qui a besoin des abeilles de toute façon, hein? Les abeilles! Je rigole, je rigole! J'ai pas besoin des abeilles, on va voir qui c'est le meilleur. C'est moi le meilleur! Pas les abeilles, hein! Les abeilles, les abeilles! Tu parles? Marre des abeilles! Attends! Arrête de bouger! Je vais t'aider! Hein? C'est quoi encore cette racine là? Oula! Merci, Maya. Heureusement que vous étiez là, sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Le hasard fait vraiment bien les choses, hein. Le hasard? Mais oui, c'est ça. En fait, vous étiez en train de m'aider? Ah oui, c'est vrai. Je peux vraiment pas m'en sortir tout seul. Mais personne ne peut s'en sortir tout seul, Barry. Nous avons tous besoin d'amis. Hein?
Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Alors, on va juste passer les rues après les mouches avec cacahuètes. Vous êtes d'accord? Bah pas trop, non. Pas question. Il risque de casser mes lunettes. Mais on a tout essayé et rien n'a marché. Ah, ouais, t'as raison. Bon, on va essayer alors. Chip, chip. Chip, 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 chip. Maintenant. Chip, 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 chip. Alors? 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 Quoi? Quoi? On a réussi! Oh non! Quoi? Il va les casser! Quoi? Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Je les ai. Vite, vite, ici. Oh non. Maya, Willy, répondez-moi. Enfin, je peux voir. Je peux voir. Oh, franchement, si vous m'aviez écouté dès le départ, hein, parce que... Non, désolé. J'aurais pas réussi sans vous. Merci beaucoup, mes copains. Je crois que mes lunettes n'ont jamais été aussi propres que ça. Tu vois, la propolis, ce n'est pas si mal, finalement. Et maintenant, tu n'auras plus d'excuses si tu vises mal en lançant une balle. Tu sais qu'il plaisante, Barry. Excuse-moi, Barry. J'aurais pas dû te prendre tes lunettes. Je recommencerai pas. Bon, alors si on faisait une petite partie... On va voir si je vise mal, hein.